Plusieurs Montréalais et Montréalaises ont fait le saut quand ils ont reçu leur compte de taxes 2024. 4,9 %, c'est l'augmentation moyenne du compte de taxes des résidents de la métropole, un taux supérieur à celui de l'inflation, qui est de 3,9 % selon Statistique Canada. On a réalisé que l'évaluation foncière, l'évaluation de la ville de Montréal, est significativement plus élevée par rapport à l'année dernière et ces dernières années. Et sachant que la base d'imposition, donc on se base sur l'évaluation foncière de la ville de Montréal pour calculer les taxes foncières, c'est de cela qu'il s'agit. Dans ce compte de taxes qu'un citoyen a bien voulu nous partager, on peut voir que ces taxes sont passées de 5 350 $ à 5 850 $, une hausse de 9,3 % qui est expliquée en partie en raison de l'augmentation de la valeur de son bâtiment de plus de 100 000 $. Aujourd'hui, ça a gonflé artificiellement dans le sens qu'aujourd'hui, on essaie de vendre des condos en dessous de l'évaluation de la Ville de Montréal. On n'arrive pas à les vendre. À la Ville de Montréal, on se défend en mentionnant que la moyenne de 4,9 % aurait pu être beaucoup plus significative, mais la Ville a décidé de baisser le taux de taxe pour compenser la forte augmentation de l'évaluation foncière. Malgré la baisse du taux de taxe, la facture aux propriétaires pourrait être plus élevée. Avec une inflation vraiment dans le tapis, fait que c'est sûr que si la Ville monte les taxes en plus, il y a quelque chose, il faut qu'il lâche. On paye toujours plus cher, mais on n'a pas forcément non plus le service qui va avec, honnêtement. Ben, je trouve qu'il y a sur certains montants. Et pour les commerçants, dans un marché déjà difficile, c'est un autre coup dur. Mais on ne peut pas les surtaxer parce qu'ils n'ont pas la capacité de payer. Depuis 2 ans, l'évaluation foncière des immeubles commerciaux a augmenté de 23 %. Vous êtes obligé de refiler la facture aux consommateurs. Comment? Les consommateurs, il n'y a pas les moyennes. Il n'y a pas de les moyens de payer, le consommateur non plus. Là. Pour bien des personnes, cette augmentation est considérable. Mais malgré les protestations, il reste que Montréal se situe seulement au 18e rang parmi les villes du Québec où les hausses de taxes sont les plus importantes. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.